Retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo pour vous présenter la toute nouvelle Debauchi Spectre qui est venue ce matin, donc le mardi 17 janvier. Donc la Debauchi Spectre à 599 000 $, dont j'en ai acheté deux, donc une pour les cheveux bénis et une autre, excuse-moi, pour l'améliorer normalement. Donc là je vous montrerai que chez Benny, et à la fin de la vidéo je vous mettrai une petite vidéo pour montrer l'amélioration au maximum. Donc elle sera améliorée vraiment au maximum sans aller chez Benny. Donc transformation à 189 000 $, donc elle est en réduction, donc en profitez-en. Hop là, donc le blindage j'en mets jamais, donc voilà. Donc là je vous montre déjà à peu près à quoi ressemble avec la transformation. Donc frein de course, hop là, 35 000 $. Pare-choc avant, donc vous allez voir qu'il y a énormément de pare-choc, donc 14. Donc là, donc ils sont vraiment pas mal. Et je trouve qu'elle a vraiment. Elle a vraiment, comment dire ça, une très belle carrosserie. Voilà, enfin elle est vraiment belle, ses formes, j'adore. Après, vous allez voir que je vais l'améliorer. Vous verrez ça par la suite. On dirait qu'elle est plus petite quand vous allez l'améliorer. Enfin, vous allez voir. Pour ma part, j'ai l'impression qu'après, plus elle est mûre, plus elle est petite. Je sais pas, c'est une impression. Enfin, voilà. Donc là, diffuseur angle droit carbone. Je le trouvais vraiment beau. Parce que le chrome, je trouvais que ça allait pas avec l'arrière. Donc du coup, je dis, le chrome, je trouve ça vraiment pas mal. Aile, donc là, je vais mettre aile lisse à motif. Donc là, pour le début de la vidéo, vous verrez que c'est aile lisse carbone que j'ai mis. Et ensuite, je vais changer pour le motif. De toute façon, vous verrez ça. Hop là, donc là je cherchais parce que je trouvais vraiment que le dernier faisait moche. Après je me suis dit peut-être qu'avec les motifs ça va être un truc assez stylé. Du coup j'ai mis le dernier. Enfin voilà, je vais changer plusieurs fois. Donc réglage du moteur, donc le dernier. Échappement, donc échappement latéral ovale. Ils sont vraiment stylés franchement. Donc voilà. Je trouve vraiment, ils sont vraiment vraiment beaux. Donc là pour les échappements, donc là on va passer à l'habitacle, tableau de bord, donc aménagement course carbone, donc que j'ai mis à 34 770 $, vraiment pas mal. Donc pour cette voiture, vous avez à peu près pour 1 700 000 on va dire grand max, si vous l'améliorez au max, à peu près ça, ouais. On va dire même 2 millions, mais 2 millions, enfin c'est pas 2 millions, hein, mais c'est pour être sûr d'avoir assez, et plus de 2 millions, quoi. Pour être sûr. Donc, ouais. Panneau carbone 13 600. Et ensuite siège, j'ai mis les avant-derniers, donc les sièges rallye carbone. Hop là, parce que je croyais que celui en carbone tout court, j'en ai marre un peu de le mettre, donc du coup j'ai mis le siège rallye carbone. Les sièges rallye carbone. Je me trompe pas. Enfin bref. Donc là je vais mettre le rallye pro. Donc, voilà. Vraiment assez stylé. Donc désolé si à un moment j'étais un petit peu lentement, si je me suis cassé une articulation dans le doigt, du coup j'ai eu un peu du mal, mais bon ça va, c'est pas non plus désagréable. Hop là, donc arceau de sécurité, hop là, donc je crois voilà que le motif, je vais mettre le dernier. Donc vous allez voir qu'il y a énormément de couleurs, donc c'est un truc de malade. Je vais les voir, donc là vous les voyez mal, mais bon c'est pas très grave. J'ai pu voir qu'ils ont fait un petit, on va dire entre guillemets, un easter egg pour Liberty City et Vanilla Icorn. Voilà. Donc le club de striptease et Liberty City, pour chez Takat. Donc voilà. Donc là les ailes, vous allez voir que je suis en train de les changer. Je vais mettre ailes lisses à motif. Voilà. Je trouvais mieux comme ça, franchement. C'est vraiment plus beau. Ensuite, donc pour la peinture, je vais mettre du noir, donc tout court. Donc je vais vraiment regarder un petit peu pour les couleurs, ça va être très bien. Je mets assez de temps pour trouver ma couleur, parce que là, je veux pas qu'elle soit moche et ni qu'elle soit enfin pas trop clair et pas trop foncé non plus, non plus entre les deux. Mais là j'ai décidé de prendre du foncé car dessus il y avait déjà beaucoup de couleurs vraiment claires, du coup ça ressortit bien je trouve. Donc voilà, donc là je mets du noir. Hop là, vous pouvez voir que ça ressort assez bien comme je vous ai dit. Couleur secondaire, je vais mettre du crou. Hop là, parce que je trouve que ça donne vraiment stylé.
pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hop là. Et en couleur de finition, je crois que j'ai mis du noir aussi. Si je me trompe pas. Hop là, donc là je cherche un petit peu beaucoup, mais c'est pas très grave. Hop là. Du noir, comme ça. En plus, faut voir que ma couleur de crew ressortait dessus, donc bon. C'est bas de caisse. Donc là, je vais mettre, je ne sais plus que c'est que j'ai mis. Voilà, c'est le voilà. Bas de caisse large couleur 1. Donc il est vraiment stylé. Donc après, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on dirait que la voiture elle devient un peu plus petite. Ou ouais, je sais pas, parce que j'ai l'impression que le bas de caisse elle a fait. Enfin, ça fait bizarre. Après, peut-être que c'est que moi que ça fait ça. Je sais pas. Enfin bref. Donc là, l'aileron, je vais mettre le dernier si je ne me trompe pas. Parce que je le trouvais vraiment stylé. Voilà, donc c'est l'aileron GT. Parce que ça allait bien avec le motif. Donc là, ça finissait le motif quoi. Transmission au max. Turbo au max. Roue, donc là, je vais mettre pneus. Donc, amélioration des pneus. Fumée des pneus. Donc voilà, enfin, tout ce qu'il faut pour les pneus quoi. Et la fumée pour les fenêtres. Limousine quoi. Et donc là ça sera tout pour cette vidéo. Donc moi je vous laisse avec les images donc de celle qui n'a pas été chez Benny. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, excusez-moi, abonnez-vous. Moi je vous dis peace et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.